Bonjour. On peut vous connecter parce que généralement quand je passe en direct, je parle directement, on va dire. Donc, je suis en train de mettre les choses sur la table. Le temps pour vous de vous connecter. Bonjour Martin, Marie bonjour, bonjour, bonjour. Je demande la présence du Saint-Esprit dans mon environnement, dans votre environnement. Je viens purifier votre espace. Toute arme forgée contre vous est sans effet. Vous savez, on nous a dit ça, c'est le début de la semaine.
Et vous aurez à faire. Vous avez tous les dépôts du week-end, les choses que vous avez regardées en ligne, les personnes qui vous ont visité, avec ou sans votre consentement, dans la journée comme dans la nuit. Ça, c'est une bonne question. Comment as-tu eu la révélation d'aider ton prochain? Connaissez le donne-moi tout. Ça, c'est disponible. Hier, j'ai lu tellement de témoignages par rapport au donne-moi tout. Si vous n'avez pas encore votre donne-moi tout, achetez votre donne-moi tout. Une goutte sur la langue, comme vous connaissez. Quand vous avez vos rendez-vous d'affaires là. Quand vos gars là, ils t'invitent. Mais ça. Et même percé là, tu mets ça sur tes mains, tu parles. Donne-moi tout, celui-ci c'est 10 000 au Cameroun. Au Gabon c'est 12 000. Au Côte d'Ivoire 12 000. Donc les Gabonais et les Ivoiriens là, on a déjà des locaux sur place, donc vous pouvez nous contacter. C'est Abidjan et Libreville. Donc. Il y a une boîte qui est plus grande que celle-ci. Au Cameroun, c'est 15 000 et 18 000 au Gabon. 18 000 en Côte d'Ivoire. Voilà. Donne-moi tout, je ne peux pas vous dire. Hier, j'ai lu les témoignages. Il y avait beaucoup de. L'autre qui avait eu son rendez-vous avec. Ça fait 1 an qu'on ne l'a pas dragué. Il y a un super avocat beau, avec une belle Audi. qu'il a appelé, voilà, vu qu'on se rencontre. Elle a mis son donne-moi tout. Elle est partie. Il y en a qui ont fait des bains avec ça. Et puis, ils ont fait des rêves, ils ont été délivrés des choses et tout ça. Ça restaure l'attirance. Quand tu mets sur la langue, c'est le commandement aussi. Voilà. Ok, je vais mettre la prière d'introduction. Je vais nettoyer et purifier l'atmosphère. Je viens vous réveiller de tout sommeil spirituel, physique. Vos dents. Je vous sors de tout silence, toute personne qui a fermé vos bouches pour que vous ne parliez pas. Je demande l'assistance et la direction des ancêtres, qu'ils dirigent cette vidéo de la façon qu'ils veulent. Donc, je donne l'adoration et la gloire au Seigneur Jésus. Amen. J'enlève tout onde négative de cette vidéo. Bon, pour l'Europe, je ne saurais vous dire, vous allez contacter, il y a une représentante à Paris et une à Nantes, il y a une en Allemagne aussi. Elles vont vous dire combien ça coûte. Donc, je vous ai dit hier que j'ai prolongé le temps pour l'offrande à l'eau. L'offrande à l'eau, j'avais prolongé la promotion jusqu'à vendredi qui arrive. Donc, au lieu de 100 000 francs, c'est 50 000. Donc, vous pouvez encore saisir l'opportunité. Annie Mireille, si tu as Douala, tu vas contacter le 680 680 71 0701. Voilà. J'ai mon chien qui embête. Je suis sûr qu'il va vouloir faire des bruits. Je voudrais vous donner des astuces pour bien commencer votre semaine. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous avez essayé maintes fois de changer votre vie. Et vous avez l'impression qu'à chaque fois, c'est un éternel recommencement.
Quand une nouvelle semaine commence comme celle-ci, peut-être tu m'écoutes et tu es en train d'aller au boulot, tu es dans le métro. Tu m'écoutes, tu es sur. Tu viens de te réveiller et tu es dans ton lit. Et. Je vois beaucoup d'entre vous, vous avez passé la nuit très découragée. Vous avez une nuit très, très mouvementée dans le sens où vous n'avez pas bien dormi. Que faire quand je me réveille d'un sommeil où je me suis vu poursuivi, je me suis vu. Ok, voilà une idée qu'on me donne. Il me demande d'interpréter vos rêves. Donc allez-y, envoyez des fleurs et puis vous donnez les rêves que vous avez eus. Parce que j'ai beaucoup refusé d'interpréter vos rêves pendant très longtemps. Ok. Donc, de temps en temps, je vais m'arrêter, je vais lire vos rêves. Je vais d'abord préciser que ce que vous écoutez en longueur de journée va être le facteur qui va déterminer vos rêves. Si tu as passé ta journée à regarder les films d'horreur, tu as passé ta journée à regarder la télé où tu voyais les films nigérians avec une femme qui se marie, après on vient, elle perd son bébé, on vole son mari, je ne sais pas. Tu vas voir que quand toi tu vas rêver, la plupart du temps on va te poursuivre si tu n'as pas de rêve. Si on te donne le poisson, les gens qui mangent, si c'est pour que tu manges, c'est différent. Mais si c'est on va dire une bassine de beaucoup de poissons. Si c'est la nourriture que tu manges, tu ne dois pas manger dans les rêves. Si tu manges dans les rêves, ça c'est généralement des poisons. Voilà. Donc si c'est, supposons, une corbeille pleine de poissons, ça c'est l'abondance qui vient vers toi. Maintenant, les rêves sont là. Quand tu te rappelles de ton rêve, c'est un message. Généralement. Quand tu ne te rappelles pas de ton rêve, la plupart du temps, c'est un rêve qui n'a pas trop d'importance. Et beaucoup d'entre vous, vous êtes aussi très superficiels dans le sens où vous n'avez pas émis de désir. Vous ne voulez rien. Donc, si vous avez remarqué, depuis que vous commencez à faire vos lavages au sel, à chaque fois que tu verses l'eau sur toi, le matin et le soir, tu émets un désir. Je veux l'ouverture de mes portes. Je veux ceci. Pour certains qui sont assez obéissants et assidus, quand vous vous lavez, vous lisez les psaumes que j'ai demandé de lire. Donc vraiment, vous avez déposé la Bible à côté, vous lisez vraiment. Moi, je prends mon téléphone, même si je n'ai pas peur que ça se mouille, hein, je prends le téléphone, vous pouvez acheter les pochettes aussi qui protègent le téléphone de l'eau. Je dis que j'interprète les rêves, tu me parlais de ton ami, de ta mère. Moi, ma mère, j'ai un ami qui veut, s'il vous plaît, arrêter un peu. Le truc avec vous, c'est que quand je viens ici, je parle d'autre chose. Vous allez venir parler de vos rêves. Quand j'ai dit que vous m'avez interprété les rêves, toi, tu m'entends venir parler de ton ami. En fait, les chrétiens, vous n'aimez pas l'ordre des choses. Vous n'aimez pas, vous aimez le désordre. Vous les aimez aller dans tous les sens. Même à l'église. Ah, mais Dieu fait ces choses au hasard. Si Dieu faisait les choses au hasard, c'est que ton oreille est sur ton nez. Mais regarde bien comment tes oreilles sont. Tout être humain normal, à part les dysfonctionnements, tout être humain normal a toujours comme ça. Tes deux oreilles seront là-bas, tes deux yeux seront là. Dieu est un Dieu ordonné. Et vous allez commencer à apprendre à ordonner vos choses. Quand vous allez commencer à faire vos déclarations, on te dit peut-être lave-toi avec le sel matin, soir. Tu ne te laves pas. Parce que chaque fois que tu te laves, il y a le feu, l'eau. Voilà les éléments que quand tu prends, quand tu verses l'eau sur quelque chose ou sur quelqu'un, c'est un portail que tu ouvres. C'est pour ça que quand tu plonges quelqu'un dans l'eau, tu le baptises. Tu dis, voilà, je déclare que tu renais. C'est pour ça que lors des baptêmes, on verse l'eau sur la personne. Parce qu'on sait que lorsqu'on prend l'eau, on verse sur toi, ou sur quelque chose, ou bien au sol, les paroles qu'on prononce, ces paroles sont clés. Si c'est ta défunte maman qui te donnait le poisson dans une grosse bassine, je pense que ça c'est l'abondance qui est en train de venir. Maintenant, dans les rêves aussi, vous aurez beaucoup de vos défunts qui vont venir. N'ayez pas peur d'eux. N'ayez pas peur d'eux. Et la plupart du temps, quand vous allez, les bénédictions généralement sont données par nos défunts. Surtout papa, maman, grand-père, les gens qui vous ont aimé. Ce sont ces personnes-là qui vont venir vous donner. Mais généralement, quand le message arrive, vous ne comprenez pas. Et le rêve, c'est comme un message qu'on te donne. Et quand tu reçois le message, c'est un peu comme si tu as rendez-vous avec quelqu'un à 10 heures. Il sait qu'il sera là à 14 heures.
Il t'écrit à 9h30, il dit, je suis désolé, je suis dans le trafic. Je ne sais pas à quelle heure je vais arriver. Peut-être 15h, 14h. Tu attendais à 10h. À 10h, si ça ne vient pas, tu as dit, ah, j'ai eu un message. Ça arrive. Quelqu'un passe et te voit en route, il dit, tu fais quoi ici? Ta soeur a dit qu'elle venait à 10h, non? Je dis, non, non, elle arrive. Je sais qu'elle arrive. Parce que tu as eu un message. Donc les rêves sont comme les messages. Parfois, le rêve vient te prévenir d'un problème. Peut-être tu as une situation où. Attendez, je vais mettre ce téléphone en charge. Si tu rêves et dans ton rêve, tu fais des bains de pieds et tu as beaucoup de bagarres. Ça veut dire que le bain que tu es en train de faire est en train de provoquer des entités. Maintenant, quand tu rêves que tu bagarres dans le sommeil, ça veut dire qu'il y a un travail spirituel plus intense que tu dois engager. Ça veut dire que tu as de l'adversité. Ce n'est que quand tu commences à bagarrer et tu les tapes. Parfois, tu vas les voir, tu vas voir que tu bagarres. Les rêves qui te préviennent peut-être qu'on est en train de te faire du mal ou bien que tu es attaqué sous attaque, il y a les feux, on tire sur toi. On tire sur toi. Je me rappelle, avant, je rêvais beaucoup qu'on tirait sur moi. Il y a aussi les rêves qui annoncent peut-être que tu es en train d'avoir la victoire. Peut-être tu es en train de. Tu es en train de courir, les gens te poursuivent. Après, tu voles. Ça veut dire que tu es en train de. Spirituellement, tu es en train de prendre le dessus sur les personnes qui t'attaquaient. Supposons que tu es en train de souffrir. Tu n'es pas marié, tu n'as pas d'enfant, tu as perdu ton boulot. Je ne sais pas dans quelle souffrance tu te trouves. Maintenant, tu rêves. On t'entend en train de te fusiller. Le rêve en train de te montrer que tu es effectivement sous attaque. Il te faut faire quelque chose. Il faut que tu fasses quelque chose. Tu pars, tu fais peut-être, tu prends un kit, tu commences le travail, tu jeûnes, tu pries spécifiquement. Quelques jours plus tard, tu rêves peut-être, tu vois, il y a une qui m'a dit, elle a fait un rêve, elle a fait le lavage. Elle veut, donne-moi tout le sel, je pense. J'ai lu ça dans le témoignage hier. Elle a rêvé qu'elle arrivait quelque part, elle voulait acheter quelque chose. La vendeuse lui a dit que viens à l'intérieur, je vais te donner quelque chose. Donc, elle descend de la moto dans son rêve. Elle entre dans la boutique de la dame. La dame envoie sa main dans la partie génitale de la femme. Elle retire 3 noix de palme. Généralement, il y a aussi des choses dans votre corps que bien sûr, vous ne savez pas. Et cette chose, elle est là pour te bloquer. Parfois, ça bloque ton enfantement. Parfois, ça met l'esprit de rejet entre toi et potentiellement ton mari ou ton futur mari ou bien un dragueur. Donc, tu peux rêver que quelqu'un est venu, il a retiré, ou bien tu rêves qu'un animal est sorti de ton pied, ou bien tu rêves que tu as vomi, quelque chose est sorti de ton corps. Il y a une dame aussi qui n'arrive pas à enfanter depuis, elle est à Paris. Elle dit qu'on a fait le bain, un bain, on lui a fait un lavage à distance. Et elle a rêvé que, elle était, dans son rêve, elle était en train de, je l'encourageais à prier. Et plus elle priait, il y avait elle tirait un fil noir de sa partie génitale. Très long. Elle tire, ça ne finit pas. Elle tire, ça ne finit pas. Elle voulait se décourager, je l'encourage. Comme si elle l'encourageait à coucher, par exemple. Je lui dis, continue. Et à la fin, quand le fil finissait déjà, un oiseau noir est sorti. Donc, quand tu rêves de ce genre de choses, ça veut dire que ce qui te bloquait, tes finances peuvent être bloquées par quelque chose qui est dans ton utérus, carrément. Hein. L'accouchement peut être bloqué. Ton mariage peut être bloqué par quelque chose qui est dans ton utérus. Donc, vous devez faire l'effort, le rêve, on ne se lève pas, on se rappelle comme ça de ses rêves. C'est ton la capacité, mais ça doit être volonté. Avant de te coucher, tu dois faire l'effort de dire, je dois me rappeler de mon rêve. Donc tu dois faire l'effort de noter ton rêve quelque part. Parfois tu te réveilles à 3 heures, c'est encore frais dans ta tête. Tu entends comment ton esprit te parle. Sauf, j'ai envie de te bloquer. Tes commentaires m'énervent. En passant, je bloque souvent les gens. Hein. Je bloque souvent pour rien. Donc, Lyon dit, j'ai réussi à m'échapper avant la bagarre avec la vieille dame.
Bon, réécrivez vos rêves. J'ai rêvé que le jumeau de ma défunte mère m'a conduit quelque part où les gens m'attendaient pour me battre. Quand c'est comme ça, parfois aussi les gens prennent le visage d'une autre personne pour venir dans le rêve vous montrer, soit vous faire du mal. À moins que tu n'aies spécifiquement demandé, Seigneur, montre-moi le visage des personnes qui sont en train de me faire du mal. Et que tu sois vraiment en jeûne. Quand tu vois le visage de quelqu'un qui t'amène pour qu'on te fasse du mal ou de quelqu'un qui vient te faire du mal dans le rêve, ne prends pas ça au premier degré. Tu peux rêver que ton mari est en train de vouloir te tuer. Ça ne veut pas dire que c'est forcément ton mari. Peut-être ton mari a un ami qui lui donne les mauvais conseils. Et cet ami est en train de mettre des problèmes entre vous. Donc tu vois le visage comme si ton mari te fait du mal, mais c'est une autre personne qui est en train d'influencer ton mari pour qu'il te fasse du mal. Donc quand vous rêvez, il faut vraiment prendre vos rêves avec sagesse. Je vous dis que je suis en train d'interpréter vos rêves. Maintenant, tu me dis que ça veut dire quoi? Tu crois que je suis en train de... Je lis ton rêve et je dis, arrêtez un peu vos sabots de là. TikTok, j'ai l'impression parfois que TikTok, c'est ça me manque des enfants. Ça m'énerve. Vous n'aimez pas les instructions. J'ai rêvé que je rentrais chez moi, j'ai croisé Didier Drogba qui a accepté de faire une photo avec moi. Marie-Ève, quand tu rêves de quelqu'un qui est célèbre, célèbre, riche, ça veut dire que toi-même, tu es en train d'entrer dans une phase. Ça veut dire que tu seras connu et tu auras beaucoup d'argent. Et tu es en train d'entrer dans une phase de ta vie où tu vas être donc... Tu peux savoir depuis l'enfance que tu seras connu. Mais ça fait 25 ans qu'on t'a prophétisé ça, ça ne s'est jamais passé. Maintenant, quand tu commences à rêver que tu as vu une célébrité, ça veut dire que ta saison-là est en train d'arriver. Pardon. J'ai rêvé, Nyaka Djadi a rêvé que son papa est décédé. Que son papa est décédé. Et dans tous les rêves, il nous menace toujours, maman et moi. Il vient même toujours nous chasser de la concession. J'arrive pas à interpréter. Quand vous me dites que vous n'arrivez pas à interpréter vos rêves. Quand vous écrivez votre rêve ici, là, c'est pour que je vous dise, si j'ai une interprétation, je vous la donne. Donc écrivez seulement votre rêve. J'ai rêvé d'une sirène. Elle avait ma bague de mariage. On s'est battu, j'ai arraché. Mais si Endame, quand je lis ton rêve, les rêves aussi sont influencés par vos croyances. Parfois, vos croyances religieuses, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas. Parce que vous savez que dans l'église, l'église parle, voit très mal. Bonjour et partagez ma vidéo, s'il vous plaît. Je vois sur TikTok que vous n'avez absolument pas partagé la vidéo. J'ai rêvé que j'étais rejeté par ma famille car je n'avais pas obtenu tous mes diplômes. Celle qui n'avait pas obtenu tous ses diplômes, la Lostin Nzenga. Je crois qu'il y a des fondations que tu vas faire. Tu as des blocages familiaux. Tu as des blocages qui viennent de ta famille. Tu vas faire le kit fondation. Tu vas refaire tes fondations. Il y a des blocages que tu as qui viennent de ta famille. Et il y a un plafond que tu ne peux pas dépasser. Je ne rêve plus. Tout est flou pour moi. Mais tu ne rêves pas, c'est bon. Je suis en train d'interpréter les rêves. Donc ça, tu n'as pas besoin de commenter. Hey, TikTok, je vais vous bloquer en vrac. Ne vous dérangez pas. Tu as rêvé que tu étais dans un autre pays. Marie Ghislaine, quand tu rêves que tu es dans un autre pays, ça veut dire que spirituellement, déjà, tu es censé. Ça veut dire que tu es censé déjà voyager. Maintenant, il y a des blocages non identifiés. Parfois, tu es là comme ça, tu n'as jamais eu l'idée que tu peux demander le visa pour être dans un autre pays. Parce qu'il n'y a personne, il n'y a aucune aide de destinée qui est autour de toi. Maintenant, Dieu passe par ton rêve pour te montrer que commence à chercher comment aller dans un autre pays. Quand ça entre dans ton esprit et que tu acceptes, là, tu te lèves peut-être, je te dis peut-être aujourd'hui, tu commences à chercher. Ok, partagez le moins possible vos rêves avec les gens. Parce que parfois, tu peux avoir ton rêve, tu ne connais pas ce que ça veut dire. Tu te lèves, tu dis à ta tante. Dès que tu dis à ta tante, elle connaît ce que ça veut dire. Et parfois, elle ne veut pas votre bien. Steve, non, si tu as rêvé que tu es au sommet d'un immeuble, c'est ton examen, ça signifie l'élévation spirituelle. L'élévation. Ça veut dire aussi les finances. Financièrement, tu vas commencer à avoir à respirer. Bon, je veux aussi préciser que c'est important de noter vos rêves, les rêves importants.
Parce que tu peux rêver de quelque chose, il a 8 ans. Et c'est aujourd'hui que ça se réalise. Le rêve n'a pas de blocage temporel. Le rêve n'a pas de genre, ok, comme j'ai rêvé cette semaine que je suis rencontré Samuel Eto'o. Voilà, ça veut dire que je dois être célèbre le mois prochain. Tu peux rêver de ça maintenant et ça se passe dans 5 ans. Donc, quand vous rêvez, des rêves très lourds et très importants. Et parfois, quand tu oublies, ton rêve se réalise. Quelqu'un va venir te dire la période de la queue. Tu te rappelles, en 2005, tu m'avais dit que tu avais rêvé ça, non? Tu avais déjà oublié. Et c'est en train de se réaliser. Mira, si tu rêves la plupart du temps que tu es dans l'eau, ça veut dire que tu es l'eau, c'est l'un de tes éléments. Et tu dois être une sirène de l'eau. Je sais que les gens n'aiment pas ça. Certains d'entre vous n'êtes pas prêts à ce qu'on vous dise que vous êtes les gens de l'eau. Et c'est qu'à l'église, vous combattez ces gens-là jusqu'à. Vous avez vu le liquide amniotique dans lequel l'enfant il est en gestation pendant 9 mois. Hein? Un jour, je vais faire un direct là-dessus. Un direct spécial. Marine, le monde marin. De 0 mois à 9 mois de vie. Parce que quand tu sors du ventre de ta mère, là, ce n'est pas là que tu as 0 ans. Hein. Quand on te conçoit, c'est là que tu as 0 ans. Tu es dans l'eau. Tu bois l'eau, tu manges, tu... Ouais, Seigneur. Maintenant, vous arrivez à l'église, on commence à vous dire, hé, l'eau n'est pas bien. Tu commences, voilà. Hé, marine spirit. En tout cas, je ne vais pas passer dans l'autre là aujourd'hui. Continuons. Tu causes avec le président de la République. J'ai déjà parlé de l'autre là. Bon, pour ton téléphone qui s'est brûlé, je ne saurais te dire. On m'a proposé de tourner une scène après, on m'a donné les clés. Celui qui a rêvé qu'une actrice lui a proposé de tourner une scène, après lui a donné les clés. Considère effectivement, peut-être ouvrir une page TikTok ou YouTube où tu vas faire des vidéos, tu vas jouer carrément, crée ta chaîne. Voilà. Je crois que tu as des capacités. Tu vas sûrement être célèbre. Quand on... Jenny Claude, je ne suis pas en Christ. Si ça va faire que je parte en enfer. Les gens aiment ça. Vous aimez catégoriser les gens. Si quelqu'un vient à ma vidéo, pardon, je vous en prie, allez beg. Je ne suis pas en train de faire une vidéo religieuse. Je ne fais pas de vidéo religieuse. Je parle des rêves des gens. Et je sais que beaucoup d'entre vous, les chrétiens, vous avez encore l'esprit fermé. La seule chose qu'elle veut savoir, pourquoi, si vous rejetez le monde marin, pourquoi le bébé passe ses 9 mois dans l'eau? Pourquoi quand on vous baptise, on peut encore vous mettre dans l'eau? Posez-vous les questions. Ben, la meilleure application pour faire des montages TikTok, je t'en prie, Bastien, va sur YouTube, tu poses cette question. YouTube va te répondre. Généralement, quand moi je fais mes TikTok, j'appuie juste sur le téléphone. Je ne fais pas des vidéos trop sophistiquées. Ok, Bastien? Donc, je ne saurais t'aider. Je pense que YouTube peut bien. Monsieur, le professeur YouTube peut t'aider. Quand tu rêves que ta fille de 3 mois marche, cet enfant doit avoir sûrement des dons spirituels. Donc ça, c'est des choses que tu dois noter plus tard. Tu vas dire à l'enfant. Quand tu rêves souvent que tu étais enceinte alors que tu cherches l'enfant, je pense qu'il y a des blocages à ta grossesse. Il y a des blocages à ta grossesse. Parce que spirituellement, tu étais censé. Parce qu'il y a des choses que tu es normalement censé avoir et que tu n'as pas encore. Le rêve va souvent te montrer. Parfois, le mariage, tu rêves que tu es marié. Ça ne veut pas forcément dire que tu as un mari d'un spirituel. Ça veut peut-être dire que tu es censé déjà être marié, mais on a volé ton mariage. Voilà. Bonjour le roi James. Tu dis que l'eau, c'est la base. Bastien, tu étais déjà abonné. Il dit que c'est désabonné. Tu es fou. Vous savez quoi que je cherche les abonnés? Je me désabonne. Donc, tu étais d'abord abonné. Peut-être vous pensez que vous êtes tombé sur quelqu'un qui suppliait. Tu vois, je vous dis que je suis en train d'interpréter les rêves. Tu dis que quelle est la meilleure application pour faire TikTok? Je crois que vous êtes fou dans votre tête là.
TikTok. Moi, je blague avec vous. Hein. Et vous faites du tic au tac. Vous parlez, je vous bloque. Et vous pensez que ce sont vos gourous que vous venez ici, là, vous faites vos bêtises là-dessus. J'ai rêvé que la police m'a attrapé chez moi. Ouh, j'ai été condamné à 10 ans de prison. Ils m'ont aussi frappé. Tu es sous attaque spirituelle, Yohan. Et le pire, c'est que quand tu es sous attaque spirituelle, tu ne sais même pas que tu es sous attaque spirituelle. Donc, ton rêve est en train de te montrer. Même avant la création, il y avait d'abord de l'eau. Voilà. La terre était vide. On dit même la terre, ça, on devrait appeler le globe qu'il y avait avant la création. On devait appeler ça l'eau, pas la terre. Donc, le globe était vide. Il n'y avait que l'eau. Et tu sais, quand tu rejettes quelque chose, le corps est fait de 70% d'eau. C'est comme si tu es de ta famille. Voilà ton père, voilà ta mère. Tu es de la famille photo. Tu rejettes chaque jour les photos. Dès que tu entends le nom photo, tu dis God for... C'est ta nature. Tu es photo. Monte, tu descends. Tu es photo. Voilà. Jenny met Coco. Si tu rêves des lesbiennes qui viennent coucher avec toi tout le temps, bonjour petit moment. C'est comme des couches de nuit d'abord. Donc tu dois avoir dans le monde de l'esprit. Regarde si tu n'étais pas ouvert à la pornographie ou à la masturbation à un certain moment. D'abord. D'abord. Ne répondez plus à Bastien, il est déjà parti. Il ne faut pas qu'il vienne prendre l'énergie des gens ici là. Voilà. Deuxièmement, parce que sans le savoir, souvent vous vous ouvrez à de la pornographie. Souvent aussi, vous avez eu des abus sexuels dans l'enfance. Et vous n'avez pas dealé avec cette émotion. Troisièmement, peut-être que tu étais dans un mariage où tu étais très très opprimé. Donc sexuellement, tu avais des désirs qui n'étaient pas comblés. Genre, tu es marié avec un monsieur, excusez le terme, hein. Son appareil est très petit, ça ne fait presque rien. Ça m'est arrivé une fois. Je n'étais même pas encore marié avec la personne. J'ai dit que, like, you know, I just can't stay here, man. Je ne peux pas rester ici. Je vais finir par me masturber ou pas. Je ne sais pas. Je ne peux pas, moi. Je ne peux pas. Aidez-moi. Donc, peut-être tu as des désirs qui ne sont pas satisfaits. Bon, le dernier cas maintenant, c'est tu as vraiment un mari dans le monde de l'esprit. Il faut dealer avec ça. Soyez un esprit familial. Parce que certains d'entre vous, parfois, quand vos mères vous accouchent, il y a un esprit qui a déjà décidé qui va prendre vos... Donc, toutes les filles de la famille, là, seront ces femmes, sur au moins ces 10 générations. Donc, quand tu sors, tu arrives, tu tombes automatiquement, tu es sa femme, sans même savoir. Tu as rêvé que l'un de tes proches de fin est sorti de sa tombe et nous a tourné le dos. Est-ce que vous êtes parti nettoyer sa tombe récemment? Soit vous devez demander une extension de grâce pour la personne. Pour avoir un entretien privé, voilà, le numéro est sur mon TikTok, mais je vais le donner encore. 00-237-680-711-0701. Voilà, effectivement, le roi James. Je veux les enfants de la gloire. Tu arrivais quand on te donnait des comprimés. Ta vie est arrivée que vous êtes tous en France. Ben, vous commencez à faire vos papiers. Tu as rêvé, Carole, quand on te disait de t'apprêter à recevoir Paul Biya. Mais tu l'as vu de loin, mais tu t'es réveillé avant sur l'entrée dans ta maison. Ça arrive fréquemment. Tu vas peut-être voir la personnalité qui est très importante là. Avant que tu n'arrives à parler à la personne. Tac, le rêve se coupe. Ça, c'est un signe que ta gloire que tu étais censé avoir a été volée. Je vous dis encore que il y a là où tu es censé être et il y a là où tu es. Généralement, c'est deux endroits différents. C'est pour ça que tu es sur ma vidéo. Parce que tu es déjà là où tu devais être, ce que tu n'es plus, ce que tu n'es même pas dans mes vidéos, parce que tu es tellement occupé financièrement et tout cela. Attendez. Tu étais avec les stars. Ça veut dire que tu seras plus célèbre. Bon, ton fils de 5 mois parle dans les rêves. Si vos enfants parlent précocement, marchent précocement, ils ont sûrement des dons spirituels majoritairement. Donc ça, c'est des choses que vous devez observer encore. Observez-les.
et aussi prier beaucoup, travailler aussi spirituellement sur eux. Lancer une poule pour l'enfant, un truc comme ça là. On demande que l'enfant a des dons et peut-être tu as négligé. Tu as seulement cru que ah, mon enfant aussi, c'est normal comme ça. Tu as rêvé que tu étais dans les airs et tu tombais du haut du ciel. Oui, ça arrive très fréquemment. Je pense que tout le monde a déjà rêvé qu'il tombait, franchement. J'ai rêvé pendant près de 7 jours que je reprenais l'examen du bac. Princesse Nadia, je pense que premier volet, c'est que tu vas encore retourner pour apprendre quelque chose. Peut-être que tu vas te former spirituellement. Généralement, c'est ça. Tu vas apprendre. Tu vas devoir rentrer apprendre quelques trucs. L'autre aspect, peut-être, c'est que il y a des choses qui t'ont dit de faire, tu n'as pas fait. Et si tu faisais ces choses-là, ça allait aider pour que tu avances spirituellement. Comme tu n'as pas fait, tu vas retrouver encore rencontrer les mêmes problèmes que tu aurais pu éviter. Donc, tu vas encore rencontrer les mêmes problèmes. Donc, il y a un test que tu vas repasser. Tu n'as pas le choix. Les gens rêvent qu'ils voient une personne comme moi dans l'eau. Non, je dis tes rêves à toi. Tu vas me dire les rêves des gens comme moi. J'ai longtemps rêvé que j'étais dans les airs et je tombais du ciel. Bon. Aujourd'hui, que je faisais partie de la famille des Kardashian. Mylène, je crois que si tu as rêvé que tu faisais la partie de la famille des Kardashian, tu seras très célèbre sur les réseaux sociaux. Avant que je n'aie une célébrité sur les réseaux sociaux, tu peux avoir dit le nombre de fois où moi-même j'ai vu Kris Jenner. Leur maman s'appelle Chris, je pense. Et l'autre s'appelle. Je connais pas le nom. Hein. Tout ce que c'est ce que j'ai vu, j'ai le visage. Donc, surtout quand c'est des personnes qui sont sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que tu as sûrement commencé à faire des vidéos et ça va boomer à un moment. Maintenant, il y a des choses que tu peux utiliser pour pouvoir. En anglais, on dit enhance. Enhance, ça veut dire booster. Voilà. Moi, personnellement, je ne booste pas mes vidéos. Je ne fais pas de publicité. Donc, je ne peux pas dédiger. Je ne booste pas mes vidéos Facebook. Je laisse que ce soit bio, naturel. TikTok, pareil. Donc, pour booster tes choses, booste spirituellement. Donc, il y a des kits. Peut-être comme le kit. Il y a le kit. Envoyer des roses pour les interprétations de rêves. Juste au cas où je ne lis pas votre rêve depuis. Il y a le kit célébrité que vous pouvez prendre. Le kit célébrité vous permet d'ouvrir. Il y a une jeune femme là, elle a une page où elle vend les mèches. Et il y a une femme, une de ses ex-amies, Amiticon, qui allait travailler pour qu'on ne la voie plus, sur les réseaux sociaux, je vous assure. Donc, une énième fois, la femme là l'appelle. Comment se passe ta page? On va voir comment tu vas avancer. N'est-ce pas, tu n'as plus les vues. Carrément, hein. Carrément. Donc, la période à la dame l'a acheté le kit célébrité. Elle m'a fait un témoignage, je crois, 3-4 jours après. Elle dit, maman, j'ai fait la vidéo aujourd'hui, je suis à 250 000 vues. Que mes commandes sont... Je suis bondée de commandes. Je ne sais même pas par où je vais mettre la tête. J'ai les commandes de tous les côtés. Elle a pris le kit célébrité. Et elle a aussi mis beaucoup de jeunes dessus. Voilà. Donc, il y a des gens qui vont parfois bloquer. Ils vont vous bloquer. Il y en a qui savent, vous savez qu'il y en a parmi vous, votre face brille beaucoup. Ma face, c'est parce que j'ai mis le menyanga. Donc, je me vois avec du beurre de karité. J'en ai mis ce matin. Ça fait comme le menyanga. Donc, vous pouvez avoir un beau visage. Et quand les gens vous regardent, ils savent que tu seras riche. Maintenant, par jalousie, ils ne te disent pas d'abord. Ils ne t'encouragent pas. Même mes vidéos, non, j'ai eu très peu d'encouragement. C'est même pas comme si très très peu de fois les gens sont venus m'encourager. Dis vraiment, je te vois en train de. Très peu de fois. Linda, si tu as des rêves que tu veux que j'étais pas, tu peux les mettre là-bas. Même toi, petit moment. Ok, tes connaissances montent en voiture en te laissant abandonner, angoissé. Ça veut dire tu as peut-être été négligé. On n'a pas travaillé sur toi. Merci Stéphane, comment tu vas? Tu as bien dormi. Monsieur le pétrolier, j'interprète les rêves des gens aujourd'hui. Je fais l'interprétation de rêves. Donc, Ndiye dit qu'elle était avec les animaux de la forêt, le lion, la panthère, qui faisait très peur. Tout à leur passage, je suis allé me cacher derrière un grand arbre. Ensuite, dans une maison en terre battue, ma petite soeur avec. Parfois, quand tu rêves des animaux, ça peut être ton animal que tu vois dans le rêve. Et parfois, il vient, tu as un peu peur. Parce que, bon, voilà, tu vois un gros lion. Maintenant, ça peut être tes animaux qu'on a tout te montré. Soit ce sont tes anges qui ont pris la forme d'animaux qui viennent
pour te montrer qu'ils sont là. Parfois, ce sont tes ancêtres. Donc, rêver d'animaux, ce n'est pas forcément mauvais. Même le rêve du serpent n'est pas forcément mauvais. Quand tu es attaqué, tu cours, tu rêves que tu es attaqué et tu cours, tu t'envoles. Ça veut dire que tu domines sur les personnes qui t'attaquent. Et parfois, il y a des victoires que vous avez. Parfois, on vous attaque. Vous ne savez même pas qu'on vous a attaqué. Ton rêve te montre seulement. Après, tu te vois avec la victoire. Tu vois, un agent tombe comme ça. Oh, bonjour la reine, ça. Comment tu vas? Bon, on peut aussi demander à passer en direct avec moi. J'ai rêvé que mon grand-père décédé était à l'hôpital, mais il essayait de se tuer et je l'empêchais. Quand tu rêves aussi de ton défunt, quelqu'un qui est mort, peut-être parfois tu peux rêver qu'il est en train de demander la faim. Parfois tu peux rêver, en tout cas, quand tu rêves de ton défunt, papa, maman, grand-père, grand-mère, il faut voir la dernière fois que tu as peut-être à demander qu'on aille sur la tombe de la personne à ton nom. Ou la dernière fois que toi-même tu es parti sur la tombe de la personne. Ça peut être le fait que la personne veut te voir ou bien veut que tu viennes pour le voir. Et croyez-moi, les grands-parents connaissent, ils connaissent, vos ancêtres la connaissent quand vous venez sur leur tombe. Mais ils savent quand vous pensez à eux. Petit moment, il faut que tu écrives seulement sur WhatsApp. Tu as payé la consultation. Je ne connais pas quel est ton numéro. Je ne sais pas. Écris seulement sur WhatsApp. Tu dis, j'ai payé la consultation. Tu envoies ta capture d'écran. Écris sur le 693 50 22 66. Tu es arrivé pendant plusieurs jours qu'on te demandait l'argent et tu en donnais toujours. Toi particulièrement, je pense que il y a des personnes qui sucent ton argent. Parfois, les voies par lesquelles ils prennent ton argent. Il y a quelqu'un dans la famille qui tombe malade. Il prend ton argent jusqu'à. Donc, et tu es le seul riche de la maison. Donc, tu n'as pas le choix. Ce n'est que toi qui peux t'occuper de la personne. Ça suce ton argent. Donc, quand tu rêves que on te demande l'argent, tu fais que donner. On te l'épuiser dans tes poches. Bon. Mira, est-ce que tu as écrit ton rêve ici, là? Oh my god. Un TikTok commence à être saturé. Les gens envoient 5 messages. Tu as rêvé de ton ex. Elle semblait ne pas être heureuse dans son mariage. Bon, je pense que ton rêve est très littéral. Hein. Genre, je pense effectivement. Et peut-être cette ex-là a même pensé sûrement à revenir avec toi. Je pense que cette personne a pensé. Elle a sûrement raison. Elle a dit, ah, c'était bien avec Stéphane. Et comme son énergie a été émise, c'est allé dans ta direction. C'est pour ça que tu as sûrement piqué sur ses émotions. Genre, tu as capté ses émotions. Voilà. Bon. Picasso, l'ancien président t'a signé un chèque. Mais ça veut dire que tu auras beaucoup de sous. Si tu étais dans votre ancienne maison, ça veut dire que tu as des fondations. Il y a des trucs dans ta fondation que tu dois refaire. Donc, achète le kit fondation, tu le fais, tu l'utilises. Fais un sacrifice en son nom et reçois ce qu'elle a prévu pour toi. Surtout, prépare dans cette cuisine et nourris les enfants. James Waffle, je ne sais pas à qui tu répondais. Ok, bon, la personne a sûrement vu sa réponse. Bon, le roi Waffle, je ne sais pas, tu pourrais bien, parce qu'il interprète aussi bien les rêves. Je ne sais pas, c'est là où tu as le réseau, tu as du réseau. Pourquoi tu passes en vidéo? Je vais voir s'il peut faire la demande. Oh, shoot. Oh, je ne sais pas comment on fait ça. Bon. Il s'est fait ça tout à l'heure. J'ai rêvé que la tombe de mon défunt papa était éparpillée. Que tu as arrangé pour remettre en état. Tu l'as envoyé qu'on nettoie la tombe de ton père, ma chérie. On a nettoyé la tombe, on a donné à manger sur cette tombe. J'ai rêvé que j'étais à l'étranger. Et dans la vraie vie, tu as fait tes papiers. Ça veut dire que tu vas bientôt voyager.
Les rêves sont aussi des prémonitions. Ça t'annonce ce qui va se passer. Pour l'entretien personnel, vous devez contacter le... Bon, Mira, je vais te suivre. Là, je t'ai suivi, Mira. Bon, tu pourras m'envoyer un message. La reine Christelle, je t'ai fait une dédicace hier dans mon direct. Je sais pas si tu as regardé mon direct hier. Avec ta chanson, là, je te veux... C'est en train de jouer dans ma tête. Je sais pas si tu es en train de penser à moi. Ta chanson est dans ma tête actuellement. Donc j'ai bien envie de la jouer. Attendez, je vais mettre mon ordinateur. Depuis hier, j'arrête pas de jouer cette chanson. Oh, tu as rêvé que ton ex est venu te donner un gros paquet. Il est venu de l'étranger te donner un gros paquet. Et tu l'aimes encore. Pas parce que tu aimes ton ex qui va revenir, ma chérie. Parfois, quand tu es avec, tu as un ex comme ça, là, qu'on vous a séparé seulement. Flore, tu as rêvé que tu manges un mélange d'herbes. Je pense que tu as sûrement une maladie à l'intérieur, tu dois te soigner. Va à l'hôpital un peu faire des examens. Sinon, tu dois te soigner. Tu as sûrement. C'est ce qui me vient à l'esprit pour toi, ma chérie. J'ai rêvé que je comptais beaucoup d'argent dans ma chambre. Ben, Steve, beaucoup d'argent arrive. Maintenant, quand tu rêves, ça veut dire que c'est ce qui est prévu pour toi. Ça ne veut pas forcément dire que c'est ça qui va venir. Très important. Un dédicace à la reine Sarah Christelle. Bonjour ma reine, j'ai rêvé la semaine passée, j'ai ramassé des fruits. J'ai fait une petite pause. Dédicace à la reine Sarah Christelle. S-A-R-R espace Christelle. Vous pouvez la trouver sur TikTok et sur YouTube. Thank you.
au Canada, tu ne dors pas à l'heure, c'est... Voilà. Donc, on va reprendre. J'ai eu deux rêves ici, là. Bonjour, j'ai fait... Ça, c'est Cécile. J'ai fait un rêve où je vois un chapelet marron, mais avec trop de lumière sur moi, je ne parviens pas à le prendre. Je pense que tu devrais faire quelques jours de jeûne, ma chérie. Tu as rêvé qu'une célébrité te rend visite. Ça, c'est beaucoup d'argent et aussi que tu seras connu, tu seras célèbre. Les temps sont en train de changer. Beaucoup d'Africains sont en train de devenir très célèbres. Par exemple, Dadju. C'était rare avant que tu aies quelqu'un qui soit connu à l'international, alors qu'il est africain. Il y a une là qui avait rêvé quoi là. Qu'elle cherche triomphe de la destinée, je pense. Oui, je cherche ton message. Tu avais rêvé que tu étais enceinte, alors qu'en fait tu cherches l'enfant dans la réalité. Ça veut dire que tu as déjà l'enfant, tu es censé déjà être enceinte. Maintenant, je vous rappelle toujours qu'il y a les blocages, il y a les blocages. Et parfois, quand tu es tellement bloqué, l'enfant ne vient pas, ça te décourage. Ce qui fait que quand ça vient même, tu ne crois même pas. Donc, écrivez vos rêves à nouveau, hein, parce que tout ce que vous avez déjà écrit là, c'est tellement envie de monter. J'ai fait 2 minutes de pause tout à l'heure. Tu as rêvé que tu travailles avec ton patron. Avec ton patron, pourtant, il t'a déjà licencié. Ça veut dire que le licenciement, là, c'était peut-être une attaque. Peut-être. Et... peut-être une attaque. Si tes fruits étaient sous le point de pourrir, c'est pas l'abondance. L'abondance, c'est quand tu rêves des fruits qui sont bien mûrs. Beaucoup de fruits dans un panier, ça c'est l'abondance. Ta part là, ce n'est pas l'abondance. C'est plutôt les attaques sur tes finances. Bonjour, j'ai rêvé que je me suis marié avec une connaissance simple. Tu n'as pas vu depuis 4 ans. Bon, je ne sais pas. Pour l'autre là, je ne sais pas. Oh, tu as rêvé que le chien t'a mordu. Ben, t'es attaqué spirituellement. Avant, on disait qu'on veut te prendre à la sorcellerie. En tout cas, tu as attaqué spirituellement. J'ai rêvé qu'on me disait que j'avais de la chance d'être vivante. Mais tu as de la chance d'être vivante. Vraiment, vous avez des... Vous êtes terrible. J'ai rêvé que la chèvre t'a appelé maman. Ok, je continue. Je rêve aussi souvent de marcher à côté des mères, des présidents ou de femmes de président. Oui. Mira, tu seras célèbre. Oui. Bonjour, j'ai rêvé que je me battais cette nuit. Ouais, tu es sous attaque. Quand tu rêves que tu es sous attaque, engage le jeûne. Jeûne le jour là où vient comme ça. Quand tu es passé, généralement, on dort un peu, donc on est un peu... Tu es relax, non? Alors que tu es attaqué. Il y a des gens qui sont quelque part en train de te pointer. Tu es arrivé en train de secourir. Tu es en train de secourir des étrangers chinois qui étaient agacés par le service migratoire. Tu dois avoir un appel solitaire. Tu as sûrement un appel comme un avocat ou bien quelqu'un qui va aider les gens. Quelqu'un qui va aider. Tu vas sûrement avoir... tu as sûrement une mission de vie où tu vas aider les gens. Tu vas aider. Je rêve que je vois que tu voyais que tu as commencé à faire tes papiers, mais tu as trouvé le blocage. Où est ton rêve finalement? Tu as rêvé que tu as commencé à faire tes papiers ou tu ne comprends pas? Tu mélanges ton rêve avec la réalité, je ne comprends pas. Et rêvé qu'on me disait que j'ai la chance d'être vivante. Ouais, ça, je t'ai déjà parlé. Et tu as perdu ton petit frère, ta petite soeur. Et on a partagé l'argent. J'ai rêvé de divorcer avec mon frère. Tu es marié avec ton frère? Tu as rêvé que ta mère était bloquée sur une montagne immense, dans le vide. Il faut voir un peu si ta mère n'a pas peut-être une maladie ou bien, je vois, c'est peut-être... il y a une attaque, il y a quelque chose qui vient sur elle, mais elle ne sait même pas parce qu'on l'a un peu étourdie, on l'a... elle ne se doute même pas du mal qui est en train d'arriver. Tu as rêvé que ta nourrice t'a remis des chaussures. Et dans le rêve, tu n'avais pas les chaussures.
Quand on coupe tes cheveux dans le rêve, ou bien on vole tes cheveux, ou bien on... Ça, ce sont les choses que quand on fait, ça veut dire que on est en train de voler ta gloire. Donc, si on prend tes chaussures, ça veut dire qu'il y a quelque chose que cette femme-là a fait pour te bloquer. Tu as rêvé qu'on t'a tiré dessus. Parlez-moi de vos rêves. Ne me parlez pas de ce que vous avez. Pas, dis-moi ton rêve. Eau douce, tu as rêvé que tu étais enceinte. La grossesse dans le rêve, parfois, c'est aussi un projet qui est en train d'arriver. C'est un projet qui est en train d'arriver. Genre, tu as un nouveau business que tu vas mettre sur pied, tu as un nouveau... Tu rêves que ton ex te reporte dans une pirogue. Ben, la prochaine fois que tu vas rêver qu'il te porte dans une pirogue, je pense que tu es dans un, tu as une attache d'âme avec ton ex que tu dois couper. Que tes camarades te présentaient leurs alliances. Ok, tu as rêvé qu'on t'a tiré dessus. Il y a des attaques spécifiques qui sont sur toi. Tu as rêvé que ta cousine t'a demandé de lui remplacer, de la remplacer dans son lieu de service. Dans le rêve, tu l'as effectivement remplacée. Tu as sûrement avoir une promotion. Aziz, comment faire pour avoir un bon foyer? Ce n'est pas le sujet de mon direct aujourd'hui. Tu as rêvé qu'une maman que tu connais bien était en train de chasser, voulant te tuer. Il y a des probabilités que, pas seulement cette femme, mais que des gens sont en train de te faire du mal. Parce que généralement, les gens aiment bien ce... Ok, comme j'ai vu que c'est la femme qui me faisait du mal. Parfois, c'est pas seulement elle qui te fait du mal. Il y a sûrement quelqu'un. Et les gens, parfois, dans le rêve, viennent, ils se masquent, ils se cachent, on va dire, avec les visages d'autres personnes. Oh Sylvie, ça, Sylvie, tu rêvais que les chiens, tu marchais dans le quartier, les chiens te suivaient, aboyaient. Il y a la honte, les gens veulent mettre la honte sur toi. Et il y a des gens sûrement qui sont partis chez les charlatans pour te faire du mal. Ils veulent mettre la honte sur toi. C'est ton dernier fils mourant entre tes mains. Best chef, tu as rêvé que ton dernier fils est en train de mourir. Il est sous attaque spirituelle. Vous savez, ton enfant parfois peut avoir de mauvais amis à l'école pendant cette période-là. Ou bien il y a une maladie dans son corps que tu ne connais pas encore. Ou bien il y a quelqu'un carrément. Ou bien il y a une malédiction ancestrale venant de ton côté ou du côté de son père. Qui sont en train de prendre cet enfant-là. Et surtout quand vous avez des enfants avec différents pères. Parfois tu peux rêver qu'un enfant est attaqué. Ça peut venir de son côté paternel. Les bracelets, vous pouvez les avoir au 604 à Douala, 680 71 07 01. Ah, c'est au Cameroun, 00237 680 71 07 01. Tu rêves que ton frère dans ta chambre, tu le frappes pour qu'il sorte. Tu as quel âge?
Merci Emmanuel. J'ai rêvé qu'il pleuvait des asticots noirs sur toi. Oh, Eva, ça, c'est pas bon signe. Alors, sûrement, on est en train de mettre un voile de rejet sur toi. La honte aussi. Donc, tu as rêvé que ton. Est-ce que tu as vécu sur ton frère ou bien. Peut-être dans ton enfance, ton frère, que tu rêvais que tu l'as chassé de ta chambre. Peut-être qu'il a eu un mauvais impact sur toi. Peut-être qu'il t'a beaucoup. Bully. Bully en anglais, c'est en français, c'est quoi? Bully. Tu as essayé de trop t'intimider. Tu as rêvé de l'homme de ta vie, mais vous n'arrivez pas à être ensemble, ça n'a pas de sens. Tu as rêvé que quoi? De l'homme de ta vie, quoi? Ça s'est passé comment, quoi? Tu as rêvé que ta maman t'a baigné, t'a donné la cola. Je ne sais pas si ta maman est déjà morte, c'est un bon signe. Beaucoup de bénédictions. Tu as rêvé que tu t'avais le président Paul Biya, je crois qu'on a déjà parlé ça. Voilà, des moqueries. Merci Clémence. Ok, Leila Optique. Tu as rêvé que tu étudiais hors du pays. When you dream that you were abroad or you went you know you're going abroad or you were abroad. Quand tu as rêvé que tu étais à l'étranger, tu dois engager tes papiers. Parce que ça va marcher. C'est qu'il a rêvé que son père lui donnait un sac. Le sac dans le rêve, c'est le pouvoir. Ça veut dire que la personne vient te donner le pouvoir, l'autorité. Tu as rêvé que tu travailles dans l'hôpital où tu as fait une demande depuis 4 mois. Ça veut dire que sûrement on va t'embaucher là-bas. Si tu étais recouvert de boules sales, de boue sale et d'asticots, ça c'est la honte. Il y a beaucoup de personnes qui veulent t'humilier. Il y a ces rêves-là, il y a le rêve aussi. Tu rêves que tu es nu, que tu marches dans la rue, tu es nu. Que je n'ai pas parlé du rêve avec le président Paul Biya. Triomphe ne commence même pas. J'ai dit quand tu rêves que tu avais une célébrité, j'ai parlé de ça ici. Vous écoutez, vous avez une audition sélective. Maintenant vous allez vouloir me faire répéter les choses. J'ai le pouce très facile maintenant. Vous me tentez, vous bloquez. Tu as rêvé que tu es morte et que tu t'as tes funérailles. Mbakous. Quand tu rêves de ta propre mort, tu dois engager like cleansing. Tu dois faire des trucs comme du nettoyage et purification. J'ai rêvé que ton père te donnait 3 000. Le riz, c'est l'abondance. Si tu as rêvé que ton père mangeait le riz, il t'a donné. C'est l'abondance. Si tu as rêvé, on t'a arraché un habit noir. Dans le rêve, le noir, c'est le deuil, l'opprobre, la perte. Maintenant, si tu rêves qu'on a enlevé l'habit noir sur toi, ça veut dire qu'on t'a enlevé l'opprobre. Marcia, tu as rêvé que ta mère t'a dit que tu es celui qui était destiné. Quand tu rêves comme ça de ta mère, la semaine-là, d'abord, on voit qu'on fasse un salaka au nom de ta mère. On voit sur sa tombe, on nettoie la tombe. On donne un petit aux gens pour dire merci à maman, comme elle est venue te parler. Tu as rêvé que les gens disaient que tu as le pouvoir. Effectivement, tu as des pouvoirs, tu as des dons spirituels que tu n'as pas encore activés. Tu rêves des serpents. Les serpents là font quoi? Ils te poursuivent, ils te font quoi? Ce que les gens font dans le rêve sont très importants. La chose ou bien je ne sais pas. Le blanc, c'est la gloire. Bon, je suis arrivé dans la Bible blanc, c'est la gloire.
La femme de ton père t'a donné la banane, tu as mangé. Manger dans le rêve, généralement, peu importe ce que la personne te donne, c'est pas. Tu ne dois pas manger dans le rêve. Assise tout, tu veux seulement la totale. Tu viens raconter tout tes. Tu mets la liste des rêves. Je ne vais même pas lire. Je rêve toujours que je me marie, mais je ne vois jamais le visage de l'homme avec qui je me marie. Est-ce que dans la réalité, tu es marié, Claudia? Mettez des phrases assez courtes. Tu as rêvé que Annick, avec que tu vas bientôt partir à l'étranger. Tu as rêvé du billet d'avion. Tu as rêvé que la mer veut t'engloutir. Tu es sûr que tu n'es pas un homme de l'eau, mais que tu rejettes ça. Larissa, la gloire. Ça veut dire qu'il y a sûrement la partie, sûrement. Je te vois comme si tu dois apprendre la spiritualité. Tu dois te familiariser avec ta spiritualité. Parce qu'il y a l'école de la vie, à part l'école que vous faites pour gagner, pour avoir un boulot. Et aussi l'école de la vie même. Ou tu étais dans un magasin avec l'ex de ton conjoint qui te regardait. Est-ce qu'elle te regardait mal? Est-ce qu'elle te regardait bien? Généralement, c'est un regard qui n'est pas bon, puis il n'est pas bon. Donc peut-être que cette personne a essayé de reprendre son gars, son ex, pardon, qui est ton gars maintenant. Soit cette personne-là Non, un pilier et un choisi, ce n'est pas la même chose. Quand tu sais quoi un pilier ou un choisi, on ne peut pas dire pilier ou choisi. Impossible. Pilier et choisi ne sont pas synonymes. Donc, pour la fille avec son ex de son gars, il y a sûrement. Vous savez, les femmes, parfois, elles peuvent faire une prière pour que votre relation se gâte. Il y en a qui vont un peu plus loin, qui vont carrément chez le charlatan pour dire que voilà, je veux qu'on vous gâte la relation. Donc, je ne saurais te dire à quel niveau elle est partie. Si tu ne te souviens pas de tes rêves, ça va, non? Donc, s'il y avait le tigre blanc et ses bébés. Le miel, c'est l'abondance. Parce que quand les enfants d'Israël, ceux qui arrivaient qui étaient dans une piscine de miel, l'abondance, ça veut dire que tu vas avoir de l'argent en abondance. Tu rêves de ta mère décider de te donner l'argent. Vous allez voir que le rêve n'est pas tout. Généralement, un rêve vient avec une action que tu dois faire après. Tu dormais dehors sur une natte avec ton mari, ayant laissé les enfants seuls à la maison. Vous êtes exposé, votre couple est exposé. Votre couple est exposé. Je vois comme ça, vous êtes exposé, genre, vous n'êtes pas. Il n'y a pas d'intimité. Sandra, hop, on a saboté ton voyage. Tu devais déjà être parti en Europe depuis longtemps. Je peux interpréter votre rêve. Je me dis, waouh! Maintenant, si vous ne faites pas ce qu'il faut faire, votre rêve interprété ne vous servira à rien. Vous voyez que dans tout, il faut toujours la sagesse, non? Vous allez voir, c'est ça que vous n'aimez pas dépenser sur la spiritualité, parce que vous dites que la spiritualité n'a pas de sens. Quand Daniel a interprété le rêve du roi, quand Joseph a interprété le rêve du roi, Joseph lui a dit quoi après? Fais comme ça, comme ça, comme ça. Plus important pour vous, ce n'est pas seulement le rêve, mais que faire? Si j'ai vu que je vais avoir l'argent, je dois alors faire quoi pour que l'argent vienne? Angélique Dadi, est-ce que tu as les jumeaux alors? Et ta grand-mère, est-ce qu'elle est encore en vie? Si tu es arrivé de ta grand-mère et que tes enfants ne sont plus en vie, et que ta grand-mère n'est plus en vie, ça veut dire que tu dois absolument aller sur la tombe de la grand-mère. Tu es arrivé que tu perdais un enfant. Est-ce que tu as des enfants, Rose? Tu es arrivé que tu allais embarquer sur un bateau de fortune, mais tu as refusé. Si c'est toi qui as refusé dans le rêve, c'est que ça va. Est-ce que tu as refusé? Peut-être Dieu t'a montré des choses, mais tu as refusé de faire. Et ce sont ces choses qui allaient vous donner l'argent.
quand tu rêves que quelqu'un te donne, que ta grande soeur te donne des fruits, des pommes fruits, oui, c'est l'abondance. Bon, rêver que tu es en train de faire popo, si le popo est sur ton corps, c'est la honte. Beaucoup d'entre vous devez faire des 2-3 jours de jeûne de purification. Quand un oiseau te chie dessus, ça c'est la bénédiction. Irène Kiss, tu dis que tu ressens quelque chose qui bouge dans ton ventre après que tu aies fait le bain de sel. Tu dois, il y a la poudre de désenvoûtement, achète ça, tu utilises. Tu as deux filles, après tu perds les grossesses. Ben, je crois que ton rêve te montre déjà. Essaie un peu de faire une purification, celle qui perd ces grossesses-là. Et je pense que tu dois honorer grand-père, grand-mère. S'ils sont encore vivants, tu leur envoies un cadeau. S'ils ne sont pas vivants, tu vas sur leur tombe, tu leur parles, tu me déposes quelque chose, mais tu verses du vin. Bon, je vais prendre quelqu'un sur TikTok. Bonjour. Allô? Bonjour. Bonjour, Renmé. Comment vous allez? Je vais très bien. Et toi? Moi, ça va un peu. Jésus a dit que celui qui est faible dit je suis fort. Tu dois dire je vais très bien. Est-ce que c'est parce que tu as dit que tu vas très bien que tes problèmes vont disparaître soudainement? Non. Mais tu as déjà lancé une flèche sur ces problèmes-là. Quand vous voyez souvent cela, ah, ça va aller. Il dit, je vais très bien. Je vais Voilà. très bien. Voilà. Comme tu vas très bien, je t'écoute maintenant. Mon nom, c'est Mariam Bakayoko. Mmh. J'ai beaucoup de soucis depuis petite, depuis grand. Jusqu'à maintenant, j'ai grandi. Mais je ne pourrais pas tout expliquer. Je vais juste faire un bref, au fait. Je voyage depuis l'âge de 17 ans, c'est-à-dire depuis 2011. Aujourd'hui, j'ai 29 ans. Et la majorité de mes voyages que je fais, quand je vais, c'est toujours difficile pour moi. Et après, j'arrive à m'en sortir. Et depuis maintenant 5 ans que je suis en Allemagne, j'ai pu aller à l'école, j'ai appris un truc, tout et ça. Le moment où je dois commencer à travailler, 6 mois après le travail, je suis atteint actuellement d'un cancer du sang. Et ça a tout bouleversé, ça a tout gâté, je sais pas. C'est très difficile pour moi actuellement. J'avais entamé plusieurs trucs que je devais réaliser en Côte d'Ivoire, ça me mélange actuellement, je comprends rien. Je fais des rêves où on m'attaque souvent, où il y a des gens qui viennent, ils sont arrêtés sur moi avec des cheveux noirs. Je comprends rien du tout. Donc ta question c'est quoi? Ma question c'est, je comprends pas ma vie au fait, je sais pas ce qui se passe au fait. Ce qui se passe. Je suis en train d'interpréter les rêves. Maintenant, quand tu me parles de ta vie, tu veux qu'elle fasse comment? Parce que vous n'aimez pas respecter l'ordre des choses. Ah, je savais pas que les questions étaient seulement sur les rêves. Tu savais. Pardon, depuis que je suis en train de parler dans le direct, si tu n'entends pas. Et je viens d'arriver il n'y a pas longtemps. Quand vous faites ça, ça me gagne alors. Je ne sais même pas. Je ne sais pas ce que je peux vous dire. Mais les rêves aussi, je fais beaucoup de rêves, comme je disais, où je suis beaucoup attaqué dans les rêves. Soit on me poursuit dans les rêves, après je commence à m'envoler dans les rêves là pour m'échapper. Souvent mon père qui sort dans des rêves, je sais pas, des hommes qui sortent aussi, qui couchent avec moi dans le rêve, c'est plein plein de trucs. Est-ce qu'on t'a déjà fait du nettoyage spirituel? Non, pas encore. J'explique souvent à ma mère, eux ils sont, la famille, ils sont musulmans, ils font des trucs musulmans, des sacrifices, ce genre de choses, mais ça n'aboutit à rien en fait. Je vous dis souvent que quand vous laissez les gens faire vos choses, ok, ils ont fait ça, marché, non, ça empire. Ça veut dire qu'ils ne sont, ils font pas la bonne chose. Ça veut dire que ce qu'ils sont en train de faire là ne marche pas. Parce que quand quelque chose marche, tu vois la différence, tu vois les résultats. Les gens ont trop fait croire aux gens, aux autres que la spiritualité, c'est abstrait. Genre, tu n'es jamais sûr. Non, quand on fait, tu vois, ces 5 ans, 10 ans, tes parents te disent qu'ils sont en train de faire les choses pour toi. Si ce qu'ils font là, c'est effectivement bien,
Tu vas voir le résultat. Tu vas voir le résultat. Oh, mes choses avancent. J'étais malade, je suis guérie. Ton cancer, déjà, c'est l'amertume. Est-ce qu'il y a des gens dans ta famille à qui tu n'as pas pardonné? Moi, je sais pas, mais je pardonne à tout le monde. J'ai pas eu de grands problèmes en tant que tel avec la famille. Ce sont des gens qui nous ont juste abandonnés après la mort de notre papa, qui n'ont pas cru en nous. Non, en fait, je suis pas fâchée avec eux, mais j'ai pas affaire à eux aussi. Est-ce que eux-mêmes ils sont attachés avec toi? Bon, je peux pas dire oui ou non, parce que souvent ils se plaignent de pourquoi je ne leur fais pas des trucs, pourquoi lorsque je vais peut-être en vacances en Côte d'Ivoire, je ne les rends pas visite, je ne les appelle pas, tout ça, mais bon. Moi, je cherche ma vie et celui de mes frères et Quand tu sœurs. vas en Côte d'Ivoire, tu pars chez qui? Je suis chez moi là-bas. J'ai une maison là-bas dans laquelle je reste. Et ta mère Je est où? vais souvent voir ma mère, elle vit dans une ville loin d'Abidjan. Elle est à 300 km d'Abidjan, la ville appelée San Pedro. Ah ouais, on m'a dit que c'est une ville de riches là-bas. On m'a dit ça, ouais, je me rappelle. Donc. Et moi-même, je suis à Abidjan quand je suis en Côte d'Ivoire. Tu as beaucoup de racines ancestrales avec lesquelles tu n'as pas dealé. Beaucoup. Et tu pensais que tu pouvais passer au-dessus d'eux. Chose qui n'est pas possible. Parce que c'est d'où tu viens, c'est toi là-bas. Et le côté paternel dont tu as parlé là. La dernière fois que tu es allé vers eux, c'était quand? Je suis allée vers eux, ça peut faire 2 ans maintenant. Vous savez, parfois, hein, il y a des choses parfois qu'on fait pour. On dit comment on dit pour acheter seulement ta tête. Tu fais, tu quittes sur ça, genre les formalités. Comme quand un homme veut épouser une femme, on dit va, la famille dit viens payer la dot, il paye. C'est pour les formalités, pour t'acquitter de certaines choses, pour que ça ne revienne pas sur les enfants plus tard. Donc il y a beaucoup de choses ancestrales qu'on n'a pas fait sur toi. Contacte-moi en inbox après, parce que je pense qu'il y a plus que ça. Si tu as le cancer qui s'est ajouté dessus, il y a sûrement une malédiction familiale que tu es en train de porter sans savoir. Et je pense que tu as aussi de l'amertume que tu ne sais pas. Bon, je sais que. C'est quand même impossible qu'on ne sache pas si on est fâché avec quelqu'un ou pas. Tu as sûrement de la rancœur dans ton cœur. Ou bien c'est peut-être la façon dont votre famille est. Parce qu'il y a des familles où on est rancunier naturellement. Genre, la mère parle toujours de façon rancunière. Et vous prenez aussi ça sans savoir. Donc, il faut vérifier aussi cette partie-là. Donc, ça, c'est le truc qui doit, ça doit faire partie d'une conversation plus profonde. Donc, là, tu as fait, je suis sorti des rêves totalement. Donc, je vous en prie pour les prochaines personnes qui vont parler, restez un peu, restez clairement dans le canevas de ce qu'on a dit qu'on parlait ici. Donc, ton travail spirituel, tu dois le faire toi-même. Quand tu envoies ta famille faire, ce qu'ils font n'aide pas. Ça ne t'aide pas. Donc, ton père, tu l'as connu, tu as parlé avec ton père. Mais je connais mon père, lui, il est décédé depuis 2011. D'accord. Est-ce que tu l'appelles souvent? Mon père? Tu lui parles souvent. Non, sauf il sort souvent dans mes rêves, c'est tout. Il est décédé déjà. Et quand il vient à tes rêves, il dit quoi? Et souvent, il vient juste parler avec la famille. Souvent, il vient. Une fois, il est venu, là j'étais malade, et il est venu, il a frappé à la porte, j'ai ouvert, il était en tout blanc, et il a dit qu'il est venu me chercher. J'ai dit pour partir où? Il dit pour partir là où il est, et du coup, je l'ai chassé au fait. Et la majorité des rêves, quand il sort, je le chasse tout le temps, je lui dis qu'il est mort, qu'il part. Tu vois, il y a une connexion ancestrale que tu n'as pas bien établie. Je ne pense pas que ton père mort veuille te faire mourir. Ça, moi, je vous le dis clairement. C'est qu'il y a d'autres personnes qui vont penser le contraire. Parce que nos parents de nature, ils nous aiment. Et bon, il y a des connexions que tu n'as pas bien faites, ça je suis sûr. Parce que ce père est censé te défendre même, pas venir pour te tuer. Okay. Donc je rappelle aussi qu'il y a des gens qui se masquent quand ils viennent dans les rêves. Donc ils peuvent prendre le visage d'une autre personne pour venir te faire croire à un mauvais message. Voilà. Ok, bon. Si tu es intéressé pour plus que ça, il faut que tu me contactes en inbox. Tu as compris, non? Merci. Il n'y a pas de numéro à... Le numéro est sur mon profil. Je ne sais pas pourquoi vous faites toujours l'effort de faire ça. Le numéro est sur le profil. Allez sur mon profil TikTok, vous allez voir mon numéro là-bas. Donc, je vais reprendre les interprétations de rêves. Interprète les rêves. Donc, mon mari, mon grand frère était gravement malade, mais actuellement, il va mieux. Mais j'ai rêvé qu'on était dans la maison familiale, il y avait beaucoup de monde. Et il était en train de partager du vin à tout le monde.
Il doit faire un salaka. Ton grand frère qui était malade là. Il doit faire un salaka dans la famille. Métis noir, tu as rêvé du... Le riz, c'est l'abondance. Si tu ne te souviens pas de tes rêves, tu veux que je te dise quoi, Amazon? Je viens réinterpréter les rêves, tu me dis que tu ne rêves pas. Oh là là, parfois je m'attends à du common sense. Parfois vous venez, vous, pas, vous dites les choses, je me dis, mais vous n'avez pas compris ce qu'il dit, vous ne réfléchissez pas. Soyez belle et intelligente, s'il vous plaît. Et c'est parce que vous n'aimez pas respecter les instructions que vous êtes bloqués. Beaucoup d'entre vous, les noirs, vous êtes toujours... Donc quand on dit quelque chose, non, ça ne me concerne pas. Moi, elle va arriver ma place, ça va se passer comme ça. Tu peux demander un visa, tu ne mets pas tous les papiers qu'il faut dans la procédure de visa. On ne va pas te donner. Parfois, ce n'est pas seulement l'attaque spirituelle sur toi. J'ai remarqué que les gens spirituels, vous avez vraiment de la peine à respecter les procédures. Vous avez de la peine à respecter le protocole. Et ce n'est pas bon. Blanca Jeanne, il faut que ton petit frère travaille sur lui. Ta grande qui est morte, elle est venue dans le rêve te regarder. Quand vous voyez les morts dans le rêve, surtout les gens que vous avez aimés, ils ne viennent pas pour vous faire du mal. Amazon Power, ne m'écris plus. Tu comprends? Comme tu es intelligente, tu sais que tu es intelligente. J'interprète des rêves. Si tu ne rêves pas, tu ne peux pas commenter ici. Ça veut dire que tu n'as pas de rêve à me dire. Bon, il m'énerve le matin. Et je le répète, soyez belle et intelligente. Soyez rusée. On arrive comme ça, on voit les belles. Dès que tu ouvres la bouche pour parler, tu dis que voilà mes business, voilà, 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 voilà. Pas seulement que vous arrivez. Quand tu refuses de respecter une procédure, tu arrives quelque part, tu dis voilà comment ça se passe. Chaque pays a ses codes et ses lois. Chaque pays a ses codes et ses lois. Quand tu arrives dans un pays, comprends le système. Fonctionne avec le système, tu vas prospérer là-bas rapidement. Si tu arrives, on te dit que dans le pays là, vous devez, tu vas parler la langue. Donne-toi 6 mois pour parler la langue de ce pays. Tu vas voir comment tu vas réussir là-bas. Claire Kams, pour tes dents que tu as perdues dans la bouche. Je vois la honte. Le rejet. Après le lavage des pieds, tu rêves qu'on t'a arrêté les pieds. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Oh, oui, vas-y alors rapidement, parce que je ne sais pas à quelle heure il va passer là-bas. Tiens, viens prendre ça. Si ton frère rêve qu'il vole, ça veut dire qu'il est en train de, il est en train d'être élevé spirituellement. Ta grand-mère décidait de te demander de lui faire à manger. Tu dois aller la nourrir. Tu dois aller sur sa tombe au village. Nourris les gens là-bas. Ça va ouvrir tes portes. Quand tu rêves d'un de tes ancêtres qui vient te demander quelque chose, ça veut dire qu'il y a une bénédiction pour toi. Et c'est quand tu vas aller le nourrir que tu vas avoir la bénédiction. Golden, bonjour, comment tu vas? Tu as rêvé que tu dois tenir les gens et tu étais habillé en guerrière. Et tous ces gens étaient derrière moi. Tu as voulu rentrer derrière pour l'aligner. Mais une fois m'a grondé et m'a demandé d'aller. Anakuo, ça veut dire que tu as beaucoup de travail spirituel à faire.
Tu as une notion de général d'armée, mais tu es encore, on peut dire, en stage de bébé. Ça va beaucoup t'aider. C'est même dans les trucs comme 5 ans ou 8 ans que tu vas comprendre pleinement ta mission. Très peu de personnes font ce genre de rêve. Ce sont les gens que tu as appelés à aider les gens. Les trucs que tu vas faire plus tard, ça va toucher les gens. Irène, tu as rêvé qu'il pleuvait dans ton salon. Ça veut dire que tu dois aller à l'eau. Tu es sûrement une femme de l'eau. Et tu as sûrement rejeté tes éléments.